Autour du fait d'un coin interactif, vous vous rappelez de quoi avons-nous parlé la semaine passée, le vendredi dernier? Les origines de la ville de Bukavu. On a parlé de la ville de Bukavu et ses origines. Kama kuko mwenye na rappelé, anesa tu rappelé anecdote moya sur ce qu'on a appris la semaine dernière, mineza penda a tuambie avant de parler de ce qui, avant de donner la parole à Papa Tira pour nous parler de la toponymie et de l'odonymie. J'espère que j'ai bien prononcé, Papa Tira. Merci beaucoup. Qui se rappelle d'une petite chose de ce qu'on a parlé la semaine dernière? Français aiko la seule langue autorisée ici et donc on peut parler dans n'importe quelle langue à condition que tout ce qui est. Je vais rappeler apakuko masonga, apakuko maole, kuko bifunu, kuko mihinzi, kuko mirogo, nini leo? Kuko bichumbu, kuko bisamunyu, Papa Tira. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler des noms des lieux et des noms des sentiers, n'est-ce pas? De toutes les façons, Utabiongi Amuzuri. Mais c'est une manière seulement de vous présenter et de vous inviter. Merci. Merci d'applaudir pour Papa Tira et bienvenue encore pour cette session de Autour du Fait, une activité du Centre culturel Eka Caribou. Merci d'abord au Cénacle ECA, puisque en m'invitant à discourir chaque soir, je crois que ce Cénacle-là honore le veillard que je suis. Je ne suis pas encore un veillard, j'ai seulement 77 ans. Et il me reste 43 ans à vivre. Donc vous serez gêné de me voir dans 43 ans. La fois passée, nous avons parlé des origines de la ville de Bukavu. Il faudrait qu'aujourd'hui nous vous parlions du développement de cette ville et que nous arrivions à ce que le présentateur a appelé odonymie, toponymie et même anthroponymie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui s'appellent Plamédie. Je me demande c'est quel saint. Si on peut invoquer un saint ou une sainte qui s'appelle Plamédie. La fois passée, nous nous sommes arrêtés à ce stade où, quand les premiers blancs arrivent, les nègres sont presque dépaysés. Et là, au Rwanda, il l'appelle même Igisim, un animal sauvage. Mais quand le blanc est arrivé et qu'il avait des dents cariées, n'est-ce pas? Quand quelqu'un n'a plus de dents, qu'est-ce qu'on fait, jeunes gens? Qu'est-ce qu'on fait? Il va chez un dentiste, on lui donne des dents artificielles. Alors nos ancêtres, quand ils voyaient un blanc enlever ses dents et les déposer sur la table, il disait, ça nous n'avons jamais vu.
il est capable d'enlever ses dents et de les déposer sur la table. Il est même capable d'enlever sa peau et de la déposer sur la table. Vous savez, c'était quoi? Les gants. Vous voyez quelqu'un qui enlève une partie de sa peau et la dépose sur la table. Bukavu. Date de fondation, qui c'est? 1900. Date exacte? 3 juillet 1900. Merci. Bukavu a été fondé le 3 juillet 1900. Est-ce que vous savez où se trouve la première maison en matériaux durables? La première maison construite dans cette commune que nous appelons Ibanda, en matériaux durables. Vous savez où elle se trouve? Vous ne savez pas? Eh bien, nous sommes des vandales. Nous aurions dû protéger la première maison. La première maison dans cette ville se trouve sur l'avenue du gouverneur. Elle était habitée par le docteur Mapeng. J'espère qu'elle est encore là. La fois prochaine, nous ferons un pèlerinage pour aller voir cette première maison. Mais est-ce que vous savez où s'est trouvé le premier bureau du commissaire de district? C'est l'ancien commissariat de la police qui a été détruit. Tout ça, ce sont des violations de l'histoire. Ces maisons, on aurait dû les garder pour qu'on dise, voilà. Voilà où se trouvait le premier bureau du premier chef qui commandait. Bukavu n'a pas toujours été chef-lieu de notre province. Quel était le premier chef-lieu? Qui c'est? Le premier chef-lieu de cette province, c'était Uvira. Uvira. Après Uvira, ce fut Rutshuru. Et après Rutshuru, on est rentré ici. Oui. À quoi servait l'actuelle maison qu'on appelle Assemblée provinciale? À qui elle appartenait? Vous n'avez jamais demandé ça à votre papa. Elle appartenait à des commerçants européens. Et même pas plus tard que sous Mobutu, cette maison-là appartenait à ce qu'on appelle ANESA, Association nationale des entreprises du Zaïre, qui s'appelle actuellement FEC. Ça va? Merci. Bukavu n'a pas toujours été une ville, hein? La ville a été fondée au détriment de ce qu'on appelle autochtones. Quel type de maison habitaient ces autochtones-là, qu'on appelait indigènes du Congo belge et du Rwanda-Urundi? Qui c'est? Zézé, est-ce que vous pouvez avoir un micro-baladeur? Oui, papa Tira. Demandez. Un micro-baladeur. Oui. Qu'on nous trouve une réponse à quel type de maison habitaient les indigènes du Congo belge avant qu'on leur montre comment on construit des maisons rectangulaires et qu'on appelle par mépris Ibanda, par mépris.
La question est lancée. Oui, Richie. Je crois que les maisons étaient appelées Musongi. Oui, Musongi. Ouais. Et philosophiquement, qu'est-ce que ces maisons représentent? Quelle est leur forme? Forme circulaire. Quand vous lirez le livre de Théophile Obenga, le livre intitulé « La philosophie africaine depuis l'époque pharaonique », on vous expliquera pourquoi nos ancêtres construisaient des maisons rondes. Parce que ces maisons-là ressemblent à l'œuf. Et l'œuf, c'est l'œuf qui représente l'habitat, n'est-ce pas? Un œuf. C'est là où se joue toute la vie. Passons. Bukavu, ridicule agglomération, devient C et C. Zézé, C et C. Y a-t-il un jeune homme qui connaît, qui peut nous expliquer l'abréviation C et C? En tout cas, pas moi. C et C. Ah, il y en a un de ce côté-là. Excusez que je sois amovible. Je vais passer par ici. Je peux lui envoyer ce micro comme ça. C'était pas une réponse, c'était juste un téléphone pour fermer. Bravo, bravo, bravo. Il y a une réponse ici derrière. Eddie Coco. C'est et c'est, je pense que c'est la communauté économique du Congo. En anglais, on dit « let me laugh ». Laisse-moi rire. C'est, ça signifie centre extra-coutumier. Donc, avant que Kadutu devienne commune, il a été centre extra-coutumier. Ce sont les centres extra-coutumiers qui ont créé, vous savez ce qu'on appelle, les centres extra-coutumiers ont remplacé la polygamie. La polygamie, par quoi? Par quoi? Non, par la prostitution. Avant les centres extra-coutumiers, il n'y avait pas de filles ou de femmes congolaises circulant et cherchant qui... Bon, fermez la parenthèse. Merci. Le premier chef du centre extra-coutumier, c'est Michel Mbavundogo. C'est un ancien de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été enterré à Uvira. Mais vous qui êtes là, faites tout pour qu'un jour on puisse construire un monument pour Michel Mbavundogo. C'est le premier chef du centre extra-coutumier. Où se trouve le bureau du centre extra-coutumier? C'est derrière de ce que vous appelez ancienne coopéra. Il y a là-bas un camp militaire. Je passe. Avant, dans notre ville ici, Bukavu, il n'y avait qu'une seule paroisse. Laquelle? De Kadutu? Non. C'est la troisième à avoir été créée. La première, c'est la paroisse Sainte-Thérèse. Elle a été désaffectée et son église est devenue un local de cours pour l'UCB. L'UCB, quand vous allez du côté de Bougabo, vous trouvez les étudiants de l'UCB dans une maison relativement vaste comme ça. C'est l'ancienne église de la mission. À cette époque-là, les paroisses, on les appelait Mission Sainte-Thérèse. Cette mission a émigré et elle se trouve maintenant à Bourriba.
après la paroisse cathédrale et puis Saint-François. Question. Combien d'écoles centrales y avait-il dans la ville de Bukavu? Écoles centrales allant de première année jusqu'à la cinquième année. Hein? Allant de rien seulement que de la première primaire jusqu'à la cinquième primaire. Dans la ville de Bukavu, il n'y en avait que deux. Saint-François-Xavier et Kassali. Rien que ces deux-là, rien que ces deux-là, une pour les filles et une autre pour les garçons. La sixième primaire n'a été créée que vers les années 57-68. Sinon, auparavant, la scolarisation, elle s'arrêtait première année, deuxième année. Quand vous arrivez en troisième année, on commence à vous enseigner quelques mots de français. Et c'est à cette époque-là que nos enseignants disaient « Beyaoukoup ». « Beyaoukoup » au lieu de « beaucoup ». C'est à cette époque-là que nos enseignants, quand ils voyaient un certain verbe, ils disaient par exemple « Je peux tout lire, sauf ça. Vous savez, c'était quel verbe? Le verbe tomber. Quand un enseignant voyait ces mots-là dans un livre, il disait, Biokindakasomeb, et il y passait. Pourquoi? Parce que ce soit un Kiswahili, que ce soit un Machi. Ce n'est pas si ridicule que ça. Aujourd'hui, vous utilisez ce verbe-là. Mais vous ne savez pas que c'était un verbe qui gênait. Bon. Parlons d'écoles secondaires. Les écoles secondaires, il n'y en avait pas. On va commencer à créer un collège pour les enfants des colonisateurs qui vivaient ici. Le grand collège que vous voyez là a été construit par des pierres apportées à dos d'homme. Vous savez ce que ça signifie? Des pierres qu'on porte sur la tête jusque-là. Parce que les routes étaient rares. Et alors, les jésuites ont construit ça. Les barnabites plus négrophiles ont construit le collège Saint-Paul, qui s'appelait Collège pour indigènes. Et puis, après l'avènement du ministre des colonies, celui qu'on appelle Auguste Buisseret, Buisseret a créé des écoles laïques. Écoles laïques. Connaissez-vous une école qui s'appelle Elo Chimpunda? Connaissez-vous une école qui s'appelle Elo Nyamugo? Qu'est-ce qu'elle a fait hier? Hier, les élèves sont partis disant qu'on venait les vacciner. Et puis, comment ça s'est terminé? Qui sait, y a-t-il un chroniqueur parmi nous? Monitoring des événements des petits-enfants, plus petits que le sac qu'ils portent sur leur dos. Hier, ils ont quitté Nyamugo. On vous signale en passant que Nyamugo est la déformation de Nyalugo. Zézé. Papa. Nyalugo. Le propriétaire du village. Nyalugo est devenu Nyamugo. Là, vous avez le grand marché. Il y avait une bananeraie et c'était la résidence du chef qu'on appelait Nyalugo, le propriétaire du Lugo du village. Alors,
les écoles laïques créées en 1955, une école laïque à Nyamugo, une école laïque à Chimpunda et une école laïque à Bagira. Tous les enseignants catholiques qui ont quitté les secteurs catholiques et qui sont partis enseigner dans les écoles laïques avaient été excommuniés. Et on prêchait contre eux, on disait que c'était des antéchrist. C'est après 1955 qu'on va construire des écoles secondaires laïques. L'Athénée Royal. Vous connaissez l'Athénée Royal? Comment elle s'appelle aujourd'hui? Athénée du Banda. Est-ce que c'est prestigieux? Est-ce que c'est le bâtiment est prestigieux? Oui, oui, on peut dire ça. C'est très bien construit. Est-ce que vous connaissez l'équivalent de l'Athénée du Banda, Athénée Royale? L'Athénée de Bagheera s'appelait Athénée Interraciale. Interraciale. L'Institut de Bagheera, c'est ça? Oui. Les racistes envoyaient leurs enfants à l'Athénée Royale. Les étrangers qui n'étaient pas racistes, blancs, jaunes, noirs, envoyaient leurs enfants à Bagheera, Athénée Interraciale. Vous y êtes? Eh bien, nous vous disons que sous la colonisation, les jeunes comme le monsieur Kotecha ne pouvaient pas habiter dans la commune du Banda. Ils habitaient le quartier asiatique et ce qu'on appelle industriel, c'était là où se trouvait leur commerce. Est-ce que nous avons progressé dans les relations raciales humaines? Question. Avons-nous progressé? Je ne le pense pas. Comment? Vous ne le pensez pas? Alors que vous pouvez vous promener dans la commune du Banda allègrement et il n'y a aucun jet qui veut vous chasser de là. Vous savez ce qu'il y avait à l'époque coloniale? Dans chaque maison, il y avait un petit chien pour madame. Le petit chien qu'on appelle Pékinois, Ndendebois. Vous voyez ça? Les dames se promenaient avec des petits chiens qu'on appelle Pékinois. Messieurs se promenaient avec un gros chien, bulldog. Bulldog, vous connaissez le bulldog, hein? Avec des mâchoires recourbées. Un chien allemand berger. Alors, quand messieurs vous voyez et qu'il n'avait pas envie de tolérer votre présence, il disait seulement à son chien, « Kamataye !» Et c'est pour ça que les Baji disent, « Tokaye mukulu hali kamataye !» Mieux vaut qu'un blanc dise, « Toka !» Va-t'en, hein? Au lieu qu'il dise à son chien, « Kamataye !» Et vous connaissez la chanson. Un nègre qui rencontre un blanc. Le blanc se promène avec son chien. Il se pose la question. Si je salue le blanc, son chien va me mordre. Si je salue le chien, le blanc va m'envoyer en prison. Alors, il arrive, il salue les deux à la fois. Jambomboa, Bwana. Est-ce que nous vivons encore comme ça? Non. On voit que tu n'as rien compris. Dans cette bananeraie, autour de cette même fumée, parmi nous, je crois qu'il y a une dame blanche, n'est-ce pas? Y a-t-il une dame blanche parmi nous? Il y en a deux. Il y en a deux. Est-ce que vous savez ce qui leur serait arrivé avant l'indépendance? Les autres blancs les auraient chassés parce qu'ils nous ont fréquentés. Question, je renouvelle la question. Les relations interraciales ont-elles évolué ici à Bukavu?
Eh bien, puisque elles ont évolué, nous allons chanter et danser un peu. Achille Argus, pour le plaisir de tout Bukavu, merci d'applaudir avant qu'il apprenne ce micro. Bonsoir. Leo, nilichukua muda fulani kutafakari juu ya ubora, pia ubovu wa mila. Nikakusudia kuongelea both mila mbovu zilizotupiga upovu mpaka tukaingia kwenye upotovu and right kind of traditional practices zitupazo wokovu. Hadithi njoo. Kijijini kwetu palikuwa bonde na milima, binti wa rembo wakishika jembe na kulima. Ndege angani, wanyama wa nyumbani walilazwa orini na wale wakali walikuwa porini. Mitoni yenye kujawa na samaki, hali bora ya mazingira, tena binti wote waliolewa wakiwa mabikira. Hapakuwa lightning cream zilizo na hydroquinone, sote tulijipaka mawese. Mabinti hawakutarajia kubadili rangi wala vijana kuvuta zaidi bangi. Ila kumbuka, tulipata kizunguzungu ni pale tulipokutana na wazungu. Tulikuwa maerebuka, ila tukihitaji kusirimuka. Tukakanyaga mila kwa kutafuta elimu, wakao walimu nasi wafasi. Tukabadili lugha, mavazi, tena tukapenda pikipiki kuliko farasi. Hadithi njoo. Zamani palikuwa ubaguzi mwingi wa rangi na ukabila. Hata harusi haikuruhusiwa kwa vijana watokeo mbalimbali, bali kwa leo jamii imeshakubali kijana ama msichana wa nyumbani afunge ndoa na mtoka mbali. Kwanza kabla, nakumbuka hadithi njoo. Palikuwa na sherehe kubwa iliyoitwa Mubande, ambapo mwami alibariki mbegu na kuwapa watu wapande. Na kwa kuwa mwanaume halisi uliyefunzwa kunena na utende, ulipelekwa kwenye lutende na huko uliketi na babu kimbilikiti. Hadithi njoo. Nakumbuka wazee walizoka chini ya mti wakinywa kasiksi. Ah, nous y sommes, laissez-nous d'abord boire. Wazee walizoka chini ya mti wakinywa kasiksi, butunda pia mandale, wakitatua shida za kijiji pale. Nakwambia Kabare, Mwenga, Iju ya Makalehe, hapakuwa wachoyo kwenye Kabehe. Mshana wa hama. Kangona wako hii nyama yenkafu. Olire. Ofire. Olesire. Ofire. Olame. Name. Samani. Hapakuwa koti na mahakama, jamii iliongozwa kwa misemo. Na pale ulipovunja sheria, ulitazamwa kama kiombo, maana ulikuwa umefanya mzombo. Basi ilitakiwa toe mbuzi ya zarau kwa kurudishiwa heshima itakayo. Hadithi njoo. Merci.
Dito Congo mama muzazi, Dito Congo mama muzazi, Dito Congo mama muzazi, Dito Congo mama muzazi. Samaki nyingi kushinda nyavu Tanganyika pamoja na Kivu Edwaga Lugushi na Lawivu Vile vile tumba na muero Tusisaabu pia bangwero Sababu Mungu atujalia Jirani wangu atuchukia Na busteni zetu za wanyama Tembea uone garama Salunga maika upemba Utatukuza wema wa Mungu Utakapofika Kundelungu Nenda ukaone virunga Kauzi biega na maringa Kila anjimboni ichi kubwa kwa namuna yake imeumbwa kila mtaku na mazao na watu wa tabia yao mataji katika bakongo ziyo mulango nchi kongo kule kuna boinga na nguvu yumeme wa singa Dito Congo mama muzazi 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 Nashindwa kujenga ikawa miti ya beigali mupira nguvu nzio mali kasai mbilwa tuwatapa alimasi bakora na chikapa alimasi magharibi waimba alimasi mashariki wachimba manyema bonde la mchele zahabu na kuraa tele ikawa watu wakifukutu mazaruba nazo zisubutu orientale nyororo nzuri zahabu na kaabu turi chopo Kisangani uwele pamoja na furaha tele Kishasa tuimbe Kishasa nji wanaina wowote nji makabila yoyote Kishasa tulinde fitina tukipambana nguvu tutawina Dito mama muzazi Dito mama muzazi Dito mama muzazi Dito mama muzazi Merci. Ça, c'est notre façon aussi de slammer, en dansant un peu. Le poème que vous venez de suivre a été écrit en Kiswahili par feu notre confrère Jean-Robert Kasele dans son recueil de poèmes intitulé Simameni wa Kongomani, c'est en Kiswahili. Je vous conseille de ne jamais lire ces recueils-là, parce qu'il y a des phrases, il y a des vers qui peuvent vous attirer des ennuis. C'est un poème rédigé, un livre rédigé pendant l'occupation. Et dirigé contre les habitants de la rive gauche de la rivière Ruzizi. Fermez la parenthèse. Et à bon entendeur, salut. Zézé demande qu'on parle de toponyme. Toponyme. Avenue Sayo. Que vous rappelle Sayo? Oui. Pourquoi l'avenue s'appelle-t-elle Sayo? Presque partout au Congo, on trouve avenue Sayo. Deuxième guerre mondiale. Victoire de quelle armée? La force publique. L'armée du Congo belge qui va gagner en, où ça? Au Kenya et en Tanzanie. La Tanzanie, qu'est-ce que c'était à cette époque? Tanganyika, territory, ça appartenait aux Allemands. Et la Deuxième Guerre mondiale oppose Français, Belges, aux Allemands associés aux Italiens. Je simplifie. Mahenge, c'est quoi? Il y a un quartier qui s'appelle Mahenge. C'est toujours
pour nous remémorer tout ça. Gambela, c'est quoi? Tabora, c'est quoi? C'est l'histoire glorieuse de notre armée. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent, écoutez, les Congolais n'ont jamais gagné là aucune guerre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Qui a chassé Jean Scram de cette ville? Vous étiez là? Jean Scram. Le Congolais. Citez quelques officiers qui étaient là. Major Vango. Non. Nous sommes en 1967. Un historien français, je crois qu'il s'appelle Jules Michelet, il dit ceci. Ce qu'il faut apprendre à l'enfant, c'est sa mère, sa patrie. Si vous ne savez pas que pour faire déguerpir Jean Scram de cette ville qu'il avait occupée du 7 août au 5 novembre 1967, on a utilisé la première promotion de ce qu'on appelle Kotakoli. Et que cette première promotion avait entre autres officiers l'adjudant Maëlle. Vous avez déjà entendu parler de l'adjudant Maëlle? Général Maëlle. En quelle année est-il mort, Maëlle? En 97. Lorsque l'AFDL a pris, le pouvoir, les enfants de Mobutu ont abattu Maëlle. Parce que Maëlle avait demandé à Mobutu de quitter Kinshasa pour éviter qu'il y ait affrontement entre les troupes de l'AFDL et nos troupes dans la ville de Bukavu. Alors Maëlle conseille à Mobutu de quitter et de laisser entrer ces gens tranquillement. C'est alors que les enfants de Mobutu vont dire « Vous avez trahi » et ils vont l'abattre. Question. En face de nous, il y a un stade. Comment s'appelle-t-il? Nous sommes en toponymie. Oui, ici. Stade de la Concorde. Comment il s'appelait auparavant? Il s'appelait Stade Baudouin. N'est-ce pas? Et sous Mobutu, il a commencé à s'appeler Stade Mobutu. Tout cela parce que chaque chef veut être déifié, Stade Baudouin. Qui était Baudouin? Le roi de Belge. Quel était son surnom dans l'histoire? Son surnom, c'était Bwanakitoko. Il était beau comme la lune. N'est-ce pas? Et alors, quand les Kinois l'ont vu, le 17 mai 1955, ils l'ont appelé Mwanakitoko. Mwanakitoko, le beau gars, le joli enfant. Mais les colonisateurs ont dit, il ne faut pas qu'on l'appelle Mwana, il faut plutôt qu'on l'appelle Bwana. Mwanakitoko, ça va? Bon, quelles sont les équipes qui jouent dans l'actuel stade de la Concorde? Ici, à Bukavu. Bukavu Dao, Mungano. Quels sont les anciens noms de Bukavu Dao? Personne ne sait. Si, 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 vous y êtes. Sous la colonisation, pour diviser les colonisés, on a créé des équipes tribales. Ainsi, l'actuel Bukavu Dao s'appelait Bushi. Et vers 1965, il a commencé à s'appeler Espoir. Pourquoi il s'appelle aujourd'hui Bukavu Dao? C'est parce qu'à un moment donné, il était sponsorisé par la Farbankina.
Bukavu dawa Pharmakina. Mais aujourd'hui, la Pharmakina ne sponsorise plus Bukavu dawa. Et pour éviter de retomber dans ce qu'on appelle la tribalisation du sport, il est resté Bukavu dawa. Notre équipe que j'ai entraînée pendant 3 ans, elle s'appelle OC Mungano. Omnisport Club Mungano. Quels sont ses anciens noms? Unerga. Union des Rega. Et puis, à un moment donné, elle s'est appelée Union Sport d'Or. Quelle est la première équipe qui a été créée à Bukavu? Connaissez-vous une équipe qui s'appelle KFC? Kivu Exclusion Football Club. KFC. C'est la toute première équipe qui avait été créée ici. Et alors, pour diviser les habitants de Bukavu, chaque tribu avait son équipe. Il y avait une équipe ici qui s'appelait Maniema, qui jouait dans cette équipe, les ressortissants du Maniema. Il y avait une équipe ici qui s'appelait Katanga, qui jouait dans cette équipe, les ressortissants du Katanga habitant Bukavu. Il y avait une équipe ici qui s'appelait Aleoki. C'est quoi? Association de Léopoldvillois du Kivu. Aleoki. Et une autre qui s'appelait Asnoki. Association sportive du Nord Kivu. Vous voyez? Est-ce que cette histoire de retribalisation des équipes existe encore? Si nous sommes retombés maintenant dans la tribalisation des équipes. Voici, moi quand j'ai entraîné Mungano, le président Bongongo Ngali, c'était un Mbuza, originaire de l'Équateur. Le secrétaire était Kandolo. Il est encore en vie et il habite Uvira et Mouluba. Et moi-même, Mouchi, j'étais le coach pendant 3 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a régression. Si vous voulez savoir comment le football a contribué au cosmopolitisme dans la ville de Bukavu, lisez un livre, Zézé, le livre de Cachez-moi, un ancien joueur de Bukavu Dawa. Le livre est intitulé La contribution du football au cosmopolitisme dans la ville de Bukavu. Et là-dedans, vous allez trouver les noms des joueurs célèbres. Vous aimez les footballeurs, n'est-ce pas? Je vais vous montrer qu'il y a des joueurs plus célèbres que Cristiano. Les gardiens de l'Olympique Bande Rouge. Olympique Bande Rouge va jouer pour la première fois la Coupe du Congo en 1963. Les gardiens s'appellent Bodum Selemba. On tire contre lui 117 tirs cadrés. Et il encaisse 11 buts. Il est élu meilleur joueur de la finale. 117 tirs, vous seul gardien, vous n'encaissez que 11. La presse dit c'est le meilleur joueur. Olympique Bande Rouge. Les Baréga disent souvent attends, mon gars, non, c'est un doigt. Vous savez pourquoi? Un joueur qui s'appelle Prosper Ndoumé. Dans le stade de Moukoukou ici, qui n'existe plus. Un match entre Bukavu Dawa et Mungano. À la mi-temps, Bukavu Dawa mène par 2-0.
parce que Prosper Ndoume est un élève du Collège Notre-Dame des Jésuites et est en train de jouer un match contre l'Institut Kamole à Kabare. Quand il arrive, pendant la pause, à la mi-temps, il entre et il fait seulement ça. Papa Boula Boula est là, il vous dira, j'ai assisté à ces matchs. Eh bien, vous savez combien de buts Prosper Ndoume a marqué en 45 minutes? 11! D'ailleurs, 13! 13! Et l'arbitre en a annulé 2. Match de football. Maintenant, dites-moi, est-ce que Cristiano a déjà marqué 13 buts en 45 minutes? Moi-même, quand j'entraînais Rudziz, j'avais un petit joueur qui s'appelait Kassindi. Un jour, il me dit, coach, je vais vous montrer ma fiancée aujourd'hui. Eh bien, nous jouions contre Kivu. Nous avons marqué aussi 11 buts. Et Kassindi lui-même avait marqué 7. Chaque fois qu'il marquait un but, il venait, il souriait et il me montrait sa bien-aimée. Ce sont des joueurs célèbres. Connaissez-vous un joueur qui s'appelle Manantema? De l'Olympique Bande Rouge. Deux joueurs seulement de Bukavu ont été transférés au tout-puissant Mazembe. Prosper Ndoume, surnommé Pelé, et son transfert a coûté 1000 zaïres. À cette époque-là, 1000 zaïres pouvaient équivaloir à 1 milliard de dollars. C'est pour ça que les Rega disent « Ata mungano sindwa, tauli maneno ». Même si Mungano a perdu le match, peu importe, Pelé est à Lubumbashi. Hein? Vous avez demandé qu'on vous parle de odonymie. C'est quoi l'odonymie? Là, on les appelle odonymes. Les noms des personnes, comment on les appelle? Vous connaissez le mot anthropologie? Eh bien, prenez anthropos et ajoutez nimi. Les anthroponymes, les noms des cours d'eau, hydronymie, hydrographie, ça va? Les noms de montagnes, oronymie et les noms de serpents. Herpétonymie, herpétonymie. Vous y êtes? À partir d'aujourd'hui, je vous invite, si vous voulez prendre des noms valables, ne prenez pas des noms auxquels vous ne comprenez rien. Voici un nom. J'ai un petit-fils qui s'appelle Yannick. Lorsque Yannick passe et que quelqu'un est à côté de lui, il s'appelle John, n'est-ce pas? D'après vous, entre Yannick et John, qui a plus de valeur? Moi, c'est Yannick. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui s'appelle Yannick et qui est modeste? Il est ici à côté de moi. Hein? Tous les Yannick sont fiers. Et quand ils voient les jaunes, ils disent « Oh !» Est-ce que tu crois que John, si quelqu'un est à côté de lui et qu'il s'appelle « Je m'appelle Jean. » Jean. Est-ce que Jean a une valeur devant Yannick? Non. Et vous savez, Jean c'est quoi en Kiswahili? Johannes. Pour montrer qu'on est civilisé, on devient Jean. Pour montrer qu'on est plus civilisé, on devient John. Pour montrer qu'on est encore plus civilisé, on devient Yannick.
Merci, Papa Tira. C'est là qu'on va mettre un point autour du fait de ce soir. Merci, mesdames et messieurs, d'applaudir très fort pour Papa Tira.